chère. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Alors, cette fois-ci, nous allons travailler sur Le dernier jour d'un condamné, œuvre de Victor Hugo, comme je vous l'avais promis. Et il y aura la rubrique, la nouvelle rubrique, qui contiendra toutes les inepties, entre guillemets, les petites erreurs que je récolte au gré de mes corrections, soit des productions écrites, soit des différentes analyses des œuvres que vous faites. Alors, on va travailler sur le chapitre le plus émouvant du dernier jour d'un condamné. Il y aura une oralisation du texte, plus le texte, le support en papier, plus quelques questions de compréhension. Je vais vous les dicter, je vais vous les expliquer et vous les aurez sur papier. Et à la fin, vous aurez une production, bien entendu, qui sera accompagnée, comme de coutume, d'une vidéo. Je vous rappelle que les vidéos, je les prévois à titre d'accompagnement pour qu'ils vous permettent de vous inspirer uniquement. Parce que j'ai remarqué que certains élèves relèvent les expressions et me les transmettent sur papier comme ça. Non, elles vous permettent uniquement de vous inspirer et vous aiguiller dans votre travail. Alors, pour revenir au texte, je vous lis les questions et je rappelle brièvement quelques explications à propos du dernier jour d'un condamné. Œuvre de Victor Hugo qui appartient au mouvement romantique, le mouvement romantique qui est venu juste après le classicisme et qui est tout à fait l'opposé de ce mouvement. Et Victor Hugo est considéré comme le chef de file de ce mouvement au 19e siècle. C'est un roman, le romantisme, c'est un courant où l'auteur fait l'exaltation de ses émotions, de ses sentiments. Et Le dernier jour d'un condamné est riche en illustrations prouvant l'appartenance de cette œuvre au courant romantique. Les situations ne manquent pas. D'ailleurs, l'œuvre commence par un flashback, une analepse. Un flashback qui est une illustration parfaite parce qu'il a la nostalgie de son passé. Autrefois, j'étais un homme libre, aujourd'hui, je suis captif. C'est une figure de style, figure de style, je vous laisse le soin de la deviner. Sa rencontre avec sa fille, et son roman, et son journal intime, dégouline des sentiments et d'émotions. Sa rencontre avec Frioche, la scène du ferrage, puisque à partir de la lucarne de Saint-Jean, il va voir le spectacle du ferrage et ce spectacle va tellement l'affecter qu'il va s'évanouir, il va être transféré à l'infirmerie. Le spectacle aussi de la place de Grève, et j'en passe. L'œuvre est riche en illustrations qui témoignent de l'appartenance donc de ce roman au courant romantique. Les questions sont les suivantes. Première question, où se déroulent les événements? Les événements de ce fragment de texte, où se déroulent-ils? Je vous rappelle que les lieux ne sont pas nombreux dans Le dernier jour d'un condamné. Vous avez Bicêtre, qui est une prison à Paris. Vous avez la place de Grève, qui est l'endroit où il va être exécuté, l'hôtel de ville et la conciergerie. Où se trouvent les personnages? Se trouvent-ils dans l'un de ces lieux? Deuxième question, quels sont les personnages qui sont présents? Je vous rappelle que les personnages ne sont pas nombreux non plus, puisque c'est un roman à thèse. Et si Victor Hugo s'était amusé à prévoir de nombreux personnages, l'œuvre serait devenue un roman. Et ce serait éloigné de sa vocation, c'est-à-dire roman à thèse. Nous n'avons finalement que quelques personnages principaux, je dis, quant aux personnages accessoires, il y en a nombreux. Vous avez le condamné, Marie, puis le Frioche. Puis pour les personnages secondaires, vous avez le huissier, l'avocat la personne, une des personnes dont il est question ici, c'est une visiteuse en fait. Qui est-elle? Qui est cette personne qui fait irruption ici dans ce,
ce fragment. Qui est-elle, cette personne? Et de quelle manière est-elle décrite par le condamné? Est-elle décrite d'une manière valorisante, d'une manière dévalorisante? Relevez du texte les détails de cette description. De temps à autre, le condamné pose des questions. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre, je ne me souviens plus lequel, qui est riche, qui foisonne de questions, uniquement des questions. Tout le chapitre est questions, questions, questions. Seulement, ce sont des questions d'une nature un peu plus spéciale. Comment appelle-t-on ce type de questions? Et quel est le but de leur usage? Le texte, ce texte que vous aurez, est riche en figures de style. Vous avez des hyperboles, vous avez des comparaisons, vous avez des métaphores, vous avez des gradations, vous avez des énumérations. Alors, relevez-les toutes et identifiez leur nature. La petite visiteuse éprouve un sentiment. Quel est-il? Quel est ce sentiment qu'elle éprouve? Elle est accompagnée d'une personne. Qui est cette personne? Et cette personne, elle a une attitude un peu bizarre. Quelle est cette attitude? Relevez du texte ce qui montre cette attitude. Le condamné déplore quelque chose. Que déplore-t-il? Et quel souhait formule-t-il à sa visiteuse? Il formule un souhait. Quel est ce souhait? Il lui remet vers la fin un document. Quel est-il? Dans la phrase suivante, je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Le il. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Je vous l'écris. Ce qu'ils vont faire. Le il, le pronom personnel il, se réfère à qui? Et ce qu'ils vont faire, à qui fait-il allusion ici? Le condamné fait allusion à quoi plutôt? À quoi fait-il allusion ce qu'ils vont faire? Là, donc, vous avez deux questions. Le il se réfère à qui? Et vont faire, ce qu'ils vont faire, fait allusion à quoi? Bien. Finalement, je pense avoir vu avec vous toutes les questions. Répondez-y et faites des phrases. Ne prévoyez pas des phrases bancales, parce que quelquefois je trouve juste un petit bout de phrase. Des phrases, faites des phrases en répondant. Là maintenant, je passe en, quand j'ai corrigé, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui revenaient et j'en ai fait l'inventaire. J'avais prévu de travailler sur le pronom, sur la voix passive, la voix active et les temps, la concordance des temps, mais je préfère plutôt m'attarder un petit peu sur le pronom relatif dans. Le pronom relatif dans. Alors, dans, D-O-N-T. J'ai trouvé dans une des copies la phrase suivante qui m'a un petit peu. Que j'ai pas beaucoup apprécié. Les cours à distance. Dans la production sur les cours à distance, je vous ai demandé de faire une petite production sur votre choix. Souhaitez-vous étudier à distance ou en présentiel? Et puis, de nombreuses personnes m'ont répondu les cours à distance que les nombreux avantages. Hein? Les cours à distance que les nombreux avantages, etc. sont. J'ai écrit la phrase, les cours à distance que les nombreux avantages sont. Et vous avez cité quelques avantages des cours à distance. Non. Là, l'emploi du pronom relatif que est inapproprié. Parce que je comprends d'où vient l'erreur, parce que nous les arabophones, on n'a pas ces pronoms relatifs. Et puis, quand on passe de l'arabe au français, on a tendance à utiliser le pronom relatif que. Et souvent, nous sommes appelés à utiliser le pronom dans, soit par snobisme ou par coquetterie linguistique. Mais la langue ne connaît pas, la grammaire ne connaît pas ces coquetteries, ne connaît pas de coquetterie ou de snobisme. La langue, c'est des règles grammaticales qu'il faut apprendre et qu'il faut appliquer sans plus. Donc, il n'y a pas de snobisme. Les cours à distance dont
Les avantages sont nombreux, dont ici. Alors pourquoi donc, ici vous avez une relative. Pour savoir pourquoi on a utilisé donc, vous revenez à la source. Là nous avons deux phrases. C'est pour ça qu'on les appelle des pronoms relatifs, parce qu'ils relient à l'origine deux phrases. Les cours à distance, les cours sont nombreux, les avantages des cours à distance, point, les avantages de ces cours à distance sont nombreux. Donc le don remplace à l'origine deux plus un complément. Les cours à distance, donc, s'il n'y a pas de préposition don, impossible d'introduire le pronom don. Une autre phrase où il y avait une maladresse de l'usage de don, c'est Antigone, que le père est Œdipe. Antigone, que le père est Œdipe. Et Œdipe. Alors, la même chose, Antigone, le père d'Œdipe à l'origine. Vous avez le complément introduit par la préposition de. Le père Antigone, là, dont le père est Œdipe. Donc vous faites attention quand vous devez utiliser le pronom don. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer la règle, évitez-le tout simplement. Vous avez... Alors là, c'est une erreur qui revient très 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 souvent. C'est les phrases hypothétiques. Les phrases hypothétiques et l'usage de si. Alors, interdiction absolue, absolue, de faire suivre le si du futur ou du conditionnel présent. Si est incompatible avec le futur et le conditionnel présent. Alors, quelles étaient les erreurs que j'ai rencontrées? C'est si Antigone enterrera son frère. Alors, s'il vous plaît, après le si, interdiction absolue d'utiliser le futur ou le conditionnel. Le si est incompatible uniquement avec trois temps. Présent, imparfait et plus que parfait. Si Antigone enterre. Si Antigone enterrait. Si Antigone avait enterré. Si Antigone enterre Polynice. Si Antigone enterre Polynice, présent, elle accomplira son devoir. Si Antigone enterrait son frère, elle accomplirait son devoir. Si Antigone avait enterré son frère, elle aurait accompli son devoir. Une autre maladresse, toujours avec le « si ». Si on me donnerait le choix, ça c'est une phrase que je vais relever dans une production sur les cours à distance et les cours en présentiel. Si on me donnerait le choix entre étudier à distance ou étudier en présentiel, virgule, je. Si on me donnerait, je rappelle qu'il n'est pas du tout possible d'utiliser le conditionnel présent et le futur simple après le si. Donc là, on aurait pu dire, si on me donne le choix, si on me donnait le choix, ou si on m'avait donné le choix. Voilà ce qu'il en est de la phrase hypothétique. Je reviendrai plus en détail sur ceci, Inch'Allah, quand on reprendra les cours en présentiel. Une autre erreur, alors celle-ci, elle était très, très, très fréquente, c'est l'emploi de avant que et après que. Avant que et après que. Qui sont logés à la même enseigne et qui sont utilisés avec le subjonctif alors qu'ils n'ont pas la même valeur. Avant que exprime une action qui ne s'est pas encore produite, incertaine. Après que exprime une action concrète. Subjonctif, indicatif. Avant que
Antigone regagne le palais avant que le jour ne se lève, avant qu'il ne fasse froid, avant que les gardiens ne la surprennent. Et Antigone quitte le palais après indicatif. Après que les gardes sont partis, après que les gardes ou autres, après que Aimant lui a rendu visite. Alors faites attention, ne confondez pas avant que et après que. Subjonctif, indicatif. Là, c'est une action concrète et c'est déroulé. Nous avons les fruits. Or, ici, nous avons un doute, une incertitude. Et il n'y a pas mieux que le subjonctif pour exprimer ce doute et cette incertitude. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous retrouve donc demain. Et puis, je ne peux pas vous quitter sans saluer les efforts des autorités et gloire à notre pays. Gloire à notre pays. Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi, c'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers, et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. « Marie, ai-je dit, ma petite Marie. » Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites mal, monsieur, m'a-t-elle dit. »« Monsieur, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a pas vue, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi, déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre? Quoi, déjà plus père? Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qui ne peut rester dans celle des hommes, papa? Et pourtant, l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu, ah bien non, regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit, un monsieur. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. Puis elle a crié, j'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je, Marie, sais-tu ce qu'est être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. Veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couvert de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant, vous me faites mal avec votre barbe. Alors, je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvrant des yeux. Et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu, je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie petite tête. Ah bien, je ne sais lire que des fables. Essaye toujours. Voyons, lis. Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R,
R-E-T-R-E. Arrêt. Je lui arrachais cela des mains. C'était ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens. C'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Yeah.